Elle, c'est Mélanie, ma copine. Et elle a peur de plein de choses. Sauf qu'aujourd'hui, elle m'a laissé 24 heures pour contrôler sa vie. L'objectif, lui faire affronter ses pires peurs. Et ça commence maintenant. Belle, oh. Coucou. C'est l'heure de se lever. On a une journée chargée, madame. Ok, oui, arrête avec ce truc. Je crois que c'est la première fois que tu te lèves à cette heure-ci. Ça te fait quoi? T'es trop énergique là, vraiment. Je laisse mon truc. Hey, je vais traîner hors du lit s'il faut, mais. Ça va, t'as bien dormi? Arrête de braquer cette caméra. Je fais ce que je veux en fait aujourd'hui là, je fais ce que je veux. À partir de maintenant, t'as plus le droit de me dire non. J'ai pas dit je dirais oui à tout. Alors, je me suis douté que t'allais dire ça du coup pour que tu puisses pas refuser. Si t'acceptes tous mes challenges, tu vas vivre une des meilleures expériences de ta vie à la fin de la vidéo. T'as un joker, tu peux refuser une activité, celle que tu veux. Par contre, la refuse peut-être pas trop tôt parce que tu sais pas ce qu'il y a à la fin de la journée. Non, oh, je suis à deux doigts de l'utiliser juste pour aller me coucher. Tenue de sport, un maillot de bain, on part dans 5 minutes, let's go. Le maillot, c'est pour après. Juste avant, je sais que Mel a une vraie peur du vide. Et quoi de mieux pour la confronter à son vertige que de la mettre en haut d'une montgolfière. Enfin bon. Là, c'est rien par rapport à ses plus grosses phobies qu'elle va devoir affronter juste après. J'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes ce matin. Bah, tu vas peut-être te chier dessus dans la journée, hein, qui sait. C'est parti. C'est parti, mon kitty. Andiamo. Ce mec est un magie. Ah, quoi, déjà? Alors, tu dors pas, hein. Mais c'est pour pas que tu vois où on va. J'ai peur que ça m'endorme. Ok, vas-y. J'ai ramené la corne de brume. J'ai envie de regarder bébé, je vais tomber malade. On arrive quand? On va devoir marcher. Est-ce que je vais avoir froid? Il y aura des toilettes, il fait encore nuit. T'as fini de poser des questions. J'ai envie de pleurer bébé. T'as le vertige non? Non bébé, j'ai pas envie de faire un truc genre pas de saut à l'élastique. Je te le dis direct. Tu veux vraiment dépenser ton joker dès le début? Ah oui, si c'est un saut à l'élastique, je l'utilise direct. On est arrivé. Ok, tu m'attends là? Bah... Tu bouges pas hein? Vas-y, dépêche. J'ai envie que cette journée se termine. Première activité. Ah, oh, le bon air frais. Tu vois une camionnette comme ça sur la route, tu t'imagines pas qu'il y a une montgolfière à l'intérieur? Là, j'ai une idée, j'ai une imagination débordante. Derrière moi, ils sont en train de set-up la montgolfière, mais elle n'a aucune idée de ce qu'elle va subir aujourd'hui. C'est un jet ski et que genre je dois être au-dessus de l'eau, je pète un boulon dans un lac. Un petit déjeuner super sympa avec une vue magnifique, des pains au chocolat, chocolatine, vous êtes quel team? Et ce qu'elle sait pas, c'est qu'en plus des chocolatines, elle va devoir manger un petit scorpion. On va voir si Mélanie vomit à 3500 mètres de haut dans une montgolfière en mangeant un scorpion. Tu penses que c'est quoi? Je sais pas. Je pense que c'est le truc en triangle là. C'est un deltaplane? Ouais, ah ouais, c'est un deltaplane. C'est du deltaplane. Oh non, j'ai pas envie de faire ça. Allez, vas-y, allez, let's go. Marche tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. T'as pas des petits soupçons là de ce que ça peut être? J'ai entendu juste un petit moteur. Ah oh, c'est incroyable. Je me chie dessus. Avance. J'ai les jambes qui tremblent de fou. Tu vas passer par dessus ça? Ouais, c'est ça. T'as toujours pas capté là? Non. Bonjour. Bonjour. Putain de merde. Vas-y, enlève le bandeau. Mais c'est petit. J'ai les yeux qui pleurent et tout. Oh bordel. Wow. Regarde le vide pour voir. Emma, elle s'accroche à la vie. Je souris, mais c'est un peu nerveux parce que je suis... Ça fait vraiment bizarre. On est dans un panier en osier, quoi. On est dans un panier en osier. Mais c'est bon, tranquille, tu peux te relâcher. Hein. Tu peux te relâcher, t'accroches. C'est incroyable, par contre je me sens genre clairement pas du tout en sécurité. Ça va. J'ai encore jamais perdu vu personne. Ah c'est bon. Les seuls qui ont sauté c'est volontairement avec un parachute. Mais j'ai pas envie de regarder genre par terre, tu vois. J'ai envie de regarder genre là. Ça va niveau vertige, t'es à combien là? C'est pas pareil que le saut en parachute. Pourquoi? Bah parce que finalement là ça fait un petit truc quand même d'être juste dans le petit panier, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Si la nacelle elle bouge un peu c'est pas grave. Non, 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 Charles, vraiment. Je vais me mettre comme ça. Est-ce que tu as faim? Là, non. Tu vas quand même manger? Non, mais je peux pas, là. Donc tu veux utiliser ton joker maintenant? Ah, quand on sera posé. J'ai l'impression que t'as changé les règles du jeu. Jusqu'à ce que je peux boire de l'eau. T'as pas compris, en fait. Mais j'ai pas envie de manger un pain au chocolat. Mais tu vas pas manger, tu peux manger autre chose qu'un pain au chocolat. Par exemple, tiens. Quoi? T'as pas faim? C'est pas grave, faut quand même que tu manges. C'est un des insectes les plus dégueulasses qui soit.
Il est énorme. Non, mais vraiment, genre. Heureusement qu'il n'y a plus les pattes. Heureusement qu'elles sont. Hop là. Oups. Oups, j'en ai un deuxième. J'avais prévu que tu fasses ça. Ah, c'est dur. C'est vraiment pas bon. Tu sais ce quoi, ça a le goût? Non. Tu sais la litière d'un animal qui vit dans une cage. Tu sais genre ton lapin, il a lâché des petites crottes et tout là. Oh, ce morceau, il va être dur. C'est celui qui a répugné tout le monde. Par contre, je comprends que c'est dégueulasse. Je l'ai. Ça y est, tu l'as? Tu veux sentir mon haleine? Non, ça ira. Non. Oh putain! Prochain spot. On va à la plage. Normalement, j'étais censée douiller aujourd'hui. Hein. Ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai appelé mon pote Flavien du Sud qui nous a ramené des petites serviettes de bain. Oh, il y a plein. Oh, mais tu nous accueilles et il y a des nuages là. Eh, mais c'est vous, vous me ramenez la pluie à chaque fois que vous venez. Tu vas aller te baigner, mon amour. Elle est grise là. Hein. Premièrement, là, pour commencer, tu vas aller faire un petit bain là du mois de février. Ça va te faire du bien dans une eau à 15 degrés. Ça fait longtemps que t'as pas fait de bain froid, non? J'ai pas envie. Là, tu vas pas pouvoir trouver d'excuses. T'as des serviettes. Y'a des vagues hein, quand même, hein? Ça va. Y'a la tempête, elle se prépare, hein? Regarde le seum, la tête du seum. Je suis dégoûtée. Là, elle se rend pas compte que ça va être la journée la plus longue de sa vie et qu'il lui reste des épreuves 15 fois pire. T'as rendu, je suis en ligne. Mais avant ça. Tac. Regardez, nous on est en doudoune. Ah, t'es prête? Ah, il te reste une minute pour avoir les épaules dans l'eau. Let's go! 3, 2, 1, go! Yeah! Ah non, ça c'était un faux départ. C'est un refus ça. Putain, mais elle est méga froide. C'est le principe d'aller à la mer en plein mois de février. Hein. Allez, les épaules, on a dit. Allez! Allez. C'est le sud, profite de Versailles, profite du soleil. Nous on profite bien en doudoune. On est bien hein, ouais. Et c'est que le début hein. Ouais, elle est bien, elle a l'air de kiffer là, regarde. Oh putain la vague. C'est bon, une minute, tu peux sortir. Je sens plus mes coudes. Tu vois, j'avais vraiment pris un maillot pour l'accompagner, mais je me suis dit non. Alors ? Je sentais plus mes coudes. Ah bah tant que c'était coudes, ça va, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Allez, rhabille-toi, dépêche-toi, on a rendez-vous, let's go. Allez hop, vas-y, rentre. On va manger. Là, j'ai la dalle en plus. C'est quoi? C'est qu'il y a un truc, il y a une couille, c'est ça que tu me filmes? Non, t'inquiète. J'ai fait de la montgolfière, j'ai mangé un scorpion et là, je viens de faire un bain froid. Super. L'objectif, c'est vraiment que là, tu te détends. On mange et après, on repart à la guerre. Là, t'es à 20% de la journée. Et 5% de sensations. C'est 5% de sensations, c'est important de faire. T'embête, tu peux te mettre ici, s'il te plaît. Voilà. C'est bon, tu te sens mieux. Voilà. J'aimais bien, il y avait le chauffage là, juste en dessous. Oui, bah justement, c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci. Allez, j'ai la dalle, c'est mon moment de répit là. C'est que là, je suis au paradis. Hein. Je suis pas pressée d'y retourner. Profites-en, ça va pas durer. Hein. T'as encore faim? Bah, faut que je prenne des forces. Il faut tant de café. Allez, il faut tant de café, ça marche. Désolée, c'est mon seul moment de répit. Tu crois que je vais pas en profiter? Ah, les desserts. Messieurs, dames, la spécialité du chef, rien que pour vous, la rendue sous son lit de coulis de roue rouge. C'est magnifique. J'avais demandé une île flottante. T'avais pas... Non, t'avais pas demandé une île flottante. C'est impossible, je ne mange pas. Oh putain, ils ont mis les pattes dans la chantilly. Mais moi je mange pas ça par Babs. C'est hors de question. Comment ça, c'est hors de question? Mais elle est poilue et tout. Bah oui, elle est poilue, c'est une araignée, babe, c'est une tarentule. Ça a l'air ignoble. Et évidemment, elle est arachnophobe, donc ça va être un gros challenge. C'est quoi, Fla? Non, par contre, non, vraiment. Genre, non, chat, arrête, vraiment. Ça se mange, hein, c'est comestible. Hein. Là, je mettrais bien, tu sais, souvent les gens ils prennent la chantilly, la mettent dans le café. Vas-y, barre-toi. Je peux pas. Genre, vraiment le scorpion, ok, mais là, je peux pas. C'est-à-dire que même avec un bâton, je touche pas. Je suis vraiment désolée. Oh putain! Arrête, barre-toi. Charles, vraiment, je rigole pas. Vraiment, je pense que ça vaut ça. Jamais je. Tu poses ton joker? Jamais je. Parce que c'est ta seule solution. Attends, réfléchis vraiment à deux fois. Tu poses ton joker à partir de là. La suite est folle. Hein. La suite est folle. Ça, c'est pas forcément le pire. Tu poses ton joker, t'as plus de joker pour toute la vidéo. Tu dois obligatoirement faire toutes les activités que je te propose. Allez. Allez. Clique-toi, prends-la. Je peux pas toucher. Si, tu peux toucher. Non. Là, tu peux toucher, si. Non. Là.
Ok, on lui a fait griller son joker à midi. Il y a deux choses qui me terrifient, les araignées et l'eau. Tu sais que tu vas y passer au fond marin là. Si. Vu comment on est parti, vu comment se profile la journée, je sais que les fonds marins et ta thalassophobie, tu vas y passer. Petit indice sur là où on t'emmène là. Je veux pas savoir. Tu veux pas savoir? Non, je veux pas savoir. Petit indice, ça fait ça. Je suis GMK. Oh putain, GMK. D'après toi, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, je vais pouvoir me maquiller histoire de perdre un peu de dignité, mais en étant quand même plus jolie. Tu peux te maquiller seulement si tu te maquilles durant l'activité. Ah, nous sommes arrivés au lieu de rendez-vous, le lieu de décès de Mélanie. Je connais très bien cette voiture vu qu'on passe constamment devant à chaque fois qu'on va chez Pascal. Pascal, c'est Pascal Dragotto, le cascadeur pro et dingue des bagnoles. Et à chaque fois qu'on le voit, il y a de la casse. Et quand Mel a vu la voiture tonneau, elle a très vite compris ce qui allait lui arriver. Wouah! C'est utilisé pour des actions de prévention de sécurité. On fait monter des jeunes dedans et on les fait tourner, on leur fait faire un ou deux tonneaux. Je te rassure, Mélanie, on va pas le faire faire un ou deux tonneaux quand même. Non. Tranquille, babe. Peut-être sur une prochaine vidéo, on te fera faire un vrai tonneau, mais là, pour l'instant. Attends. Vu que c'est toi qui contrôle. Elle va super qui vite. Qui la contrôle pendant 24 heures, c'est toi qui nous diras si tu veux qu'on l'arrête à l'envers, à l'endroit, sur le côté. Je commande la télécommande. Alors, tu mets la ceinture tranquille. Là, jusqu'à là, tout va bien. Allez, tu pourras plus sortir parce qu'il n'y a pas de poignée à l'intérieur. Ouais, c'est nous qui viendrons de t'ouvrir. Attends, parce qu'on a oublié un truc de fou et c'est hyper grave. Allez, démerde-toi avec ça, hein. Allez, c'est parti. Allez, au moins 10 tours, hein. Ah ouais. Allez, au moins... Oh là. Oh my god. Ok, ok, arrête là à l'envers. Voilà. Mais je suis trop petite pour la moitié. C'est jamais arrivé que quelqu'un ait le pied sur le toit. Non, hein. C'est un truc de malade. On continue? Attends, remets la droite. Ah voilà. Le hurlement. Par contre, c'est super addictif et en même temps, ça fait super peur. Ah oh, oh, oh putain, allez, mais ça fait super peur. De ce côté-là. Allez, 3, allez. C'est bien ça, voilà, on va arrêter là. Où on va arrêter? À l'envers plutôt. À l'envers, c'est plus drôle. Ouais, à l'envers. Allez hop. Hop là, voilà. De côté, c'est très bien comme ça. Alors? Non. Elle est encore vivante? Je crois qu'elle respire. Je crois qu'elle en a marre. Je te laisse aller lui ouvrir ou tu veux qu'on aille l'ouvrir? Non, allez lui ouvrir. Moi, je vais rester un peu loin. Ouais, c'est dangereux là. De voir la température. Prenez la température. Saloperie! Par contre, ça fait un truc genre quand tu tournes là, je me chie dessus. On peut en faire un vénère, genre comme un tonneau. Comme un vrai tonneau? Comme un vrai tonneau. Là, en fait, t'as fait le truc VIP. Ouais, ça c'est le tonneau pour les VIP que tu as fait. Ça veut dire quoi Maintenant on va te faire faire un vrai tonneau en voiture. Genre pas maintenant tout de suite. Allez, détache-toi, on y va. Genre maintenant. Maintenant de suite, allez. C'est pas c'est une blague. C'est une blague. J'ai un peu envie de pleurer là. Non. J'y crois pas du tout. C'est une blague. Tu l'as reconnu. Oh la Xara. J'ai envie de pleurer tellement j'ai la Tu te rappelles quand tu as dit abonnez-vous, etc. Et s'ils ont 30 000 abonnés, on prend cette voiture là et on fait des tonneaux avec. Avec toi dedans. Avec moi dedans. On va faire des tonneaux avec toi. Ouais, on va vraiment faire un vrai tonneau. Merci à Provence Studio qui nous donne l'accès à une piste immense pour cette expérience un peu folle. Mel va vivre l'un des accidents qu'elle redoute le plus. On ne plaisante plus là. Ce qui me fait rire, c'est que la cascade automobile, ça te traumatise pas. Mais le tonneau, t'as quand même une appréhension certaine. Ça fait plusieurs fois que tu m'en parles et tu me dis, bon, il y a un truc que j'ai pas encore fait, c'est le tonneau. Le tonneau, mais en même temps, ça me fait super peur. Moi, je sais ce qu'elle ressent. Ouais. Ah ouais, là, c'est du stress. Là. Ouais. Elle est angoissée. Ouais. C'est un truc qu'elle maîtrise pas. Ouais. Je stresse. Ça va, dans 5 secondes, c'est à toi là. C'est pour forger ton mental que je fais tout ça. En mais vrai, tu vas hein le mériter à la fin de la journée. Je te jure, bébé, à la fin de la journée. Parce que dire le cadeau, il a intérêt d'être très beau. Parce que s'il est pas beau, je pète un boulot. Même moi là, je commence à vraiment avoir la pression pour elle. Parce que, tu vois, je le vois et je l'ai vécu. Et je sais que c'est pas simple du tout. Enfin, c'est hyper violent. Tu veux reculer le siège? Ah oui, trop près.
Là, les pieds montants. Pourquoi me le prendre dans la tête? Oui, parce qu'il s'écrase peut-être. C'est vrai, c'est un accident, la voiture elle finit sur le dos quoi. En fait, ton corps, ton buste va bouger comme ça, tu vois. La tête va bouger, regarde, tu vois, ça va faire ça. Ah oui, la tête va bouger, ok. Sauf si on glisse sur le toit, si tu veux. On va glisser, tu vas regarder autour de toi tout ce qui va se passer. Là, j'ai un peu envie de pleurer. Non, mais non. Tu sais, Pascal, je suis très heureuse que vous soyez rentré dans notre vie. Hein. Ouais. Ça se voit pas là, mais j'ai surtout envie d'insulter Charles. Dis-toi que c'est pas la pire épreuve. C'est une des pires, mais c'est pas la pire. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Ah, ça y est, j'ai la pression. Hein. Ça va, Noël? Pascal, la vie de Mel est entre tes mains pendant quelques secondes, je te la laisse. Quand vous voulez. Allez, on y va. Oh là là, j'ai l'impression. Oh putain, c'est parti. Putain de sa mère. Ça va? Ça va? Ouais, ouais. Babe, ça va? Voilà. Je sais plus où est le conducteur, où est le passager. Ça va pour vous? À ce moment-là, Mel répond plus. Elle est sous le choc et on a tous peur pour elle. Ça va, Mel? Tu m'en veux plus? Oh là là! Vous savez quoi? Vous allez sortir par le coffre? J'ai rien compris, Pascal. J'ai pas eu peur quand on a pris le tremplin. J'ai juste c'est pas tout. Compris. Quand on a roulé, je connaissais le tremplin. Et après, j'ai rien compris. Bon, j'ai eu l'impression que mon cœur il allait s'arrêter de battre, genre. Pendant 2 minutes, t'as pas lâché un mot. Hein. À personne. Ouais. Hein. J'ai eu trop peur parce que tu parlais plus. Tu sais, genre sur le coup, ça, ouais. Je me suis pris le truc, ça. Et j'ai fait. C'était incroyable, les images. C'était fou. Ça va comment ton cou? Bah, ça va pas très bien là, j'avoue, j'ai un peu mal quand je tourne la tête à gauche. Je vais pas te mentir, la pluie là tout de suite, ça fait un peu chier pour la prochaine activité. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois si tu veux, hein? Vas-y, descends. Descends avec ta cam. Descends, c'est pas une blague. Pour de vrai? Mais oui! Descends! Mais faut que je prenne ma veste. Non, t'as pas besoin là, juste descends. Mais voilà. Si je tombe malade? Maintenant tu peux marcher, c'est là-bas, on se retrouve d'ici 2 heures. Allez hop! Mais c'est une blague! Alors t'as l'impression qu'on rigole là? Elle y croit, regarde. Allez, ciao. Allez, ciao. Mais il m'abandonne pour de vrai. Bah, est-ce qu'on est gentil? Vas-y, on fait demi-tour. Les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, l'autre, là, avec ses lunettes de soleil, avec sa petite caméra pour se filmer. Vas-y, on la prend en stop. On la prend en stop. On la prend en stop, allez. Attends, je fais un demi-tour là-bas. Je sais même pas, du coup, dans quel sens je dois aller. Oh, elle a dû se sentir abandonnée. Elle court vers nous. Ils qui me font faire un demi-tour comme ça, en courant. Ça va, babe? Allez. Bah par contre tu passes derrière, hein, t'es gentil. Non. Je peux pas passer devant bébé si je suis malade et tout en voiture. Ah oui, c'est vrai, si t'es malade en voiture en plus. C'est pas cool. J'ai pas envie de dégueuler. Ouais, alors peut-être que tu vas dégueuler sur la prochaine épreuve, Mel, parce que être passager dans une Porsche avec un pilote de course sur circuit à 160 km/h, on va mettre toutes les chances de notre côté. Oh bordel, y'a déjà les camions de pompiers? Elle est pas prête. Donc là, il y a Pascal Dragoté qui nous prête sa GT3 RS. Y'a Romain! Gang. Elle a capté qui était le pilote. Je vais canner. Ouais, y'a moyen. Romain Monti, pilote pro qui m'a déjà envoyé en enfer avec notre propre voiture. Il est revenu jusqu'ici, spécialement pour Mélanie. Je vais me faire atomiser, clairement. Ah, coucou! Alors, le tonneau ce matin, c'était comment? J'ai mal au cou. C'est vrai. Attends, on va faire une bise, c'est pas trop forte alors. C'est la première fois sur circuit ou pas? C'est la première fois sur circuit. Ah, c'est bon ça. On va voir comment ça se comporte quand t'as quelques petites dérives, on va voir l'adhérence et on va essayer de mettre gaz un petit Parfait. Peu. Parfait. Pascal, on se quitte plus. Bah non, c'est une première aujourd'hui. Hein. Oh bordel, regardez-moi cette pépite là. Pascal est ici tout simplement parce que c'est sa Porsche GT3 RS, c'est dur à dire. T'as hâte? Non. Moi j'ai hâte. Alors dis-toi que moi je ne le ferai pas, pourtant j'aurais confiance, c'est un pilote. Hein. Donc tu as tout mon respect parce que je ne le ferai pas et pourtant je suis cascadeuse. Et moi c'est pareil. Je ne montrerai pas à côté de moi-même. Voilà, je te Romain, arrête. C'est agréable. On est vraiment sur un temps sympa.
Oh les gars, ça glisse. Ça glisse, on est sur une patinoire. Est-ce que les sensations sont bonnes quand même? Oui, je pense que vu qu'elle a pas trop l'habitude, ça va aller. On pourra accélérer un peu à une droite et glisser un petit peu dans les virages. On va pas lui dire qu'on va glisser dans les virages pour l'instant. La petite surprise. Le circuit est quand même à l'ancienne, les rails ils sont proches. Il y a une partie qui est hyper rapide là, où t'arrives quand même avec beaucoup de vitesse. Ouais. Et où là, si t'arrives avec trop de vitesse, tu peux aller chercher les rails. Et puis il y a un extincteur aussi dans la GT3 RS. Hein. Tu sais, si jamais la voiture elle prend. Putain, faut pas que je dise ça. Faut pas que je dise ça en face de Pascal. Moi personnellement je me chie dessus. Mais tais-toi. Attends, mais on n'a pas le harnais là? C'est genre une ceinture normale, Pascal, mes frères. Mais putain, mais t'en déconnes. Jamais à côté. Qui fait bien, babe, je t'aime quand même. Et si t'as pas le cerveau. Moi rien, je. Oh, dis donc la langue, Charles. A plus dans une autre dimension. Allez, Mel, c'est ciao. On commence déjà là. Tu veux qu'on aille faire quoi, un tour de ville avant ou. T'as déjà conduit quand il pleut. Ouais, ça m'est arrivé, je crois, il y a 10 ans, 15 ans, on est comme ça. Oh, ça va. T'enlever quoi? Oh là là. Y'a aucune adhérence. Ouais, y'a aucune adhérence. Oh putain, ça commence, ça va vite. Hein. Là, ça doit crier dedans. Ah, non, ça crie pas. Là, c'est fier là-dedans. Ouais, c'est fier. Ça, c'est fier. Ouais, tu crois? C'est la première fois que je la vois passer, moi. Ah oui. J'ai c'est sa voiture. Il y a des cailloux, fais gaffe à la voiture de Pascal, hein. On change les pneus, c'est ça, on y retourne. Oh, ça sent le cochon grillé là. Je l'ai pas lâché, regarde, j'ai tenu mais genre de fou comme ça. J'ai tellement serré au niveau de la fesse à gauche. C'est vrai. Les autres activités, ça va pas être du kiff. La prochaine activité, c'est toi qui prends le volant maintenant. Pascal, t'en dis quoi ça? C'est moi qui est en tueur à côté. C'est la dernière activité de la journée. Tu vas devoir partir en apnée pour parcourir un tunnel sous-marin. De combien de mètres? 5 mètres. Ah ben, le temps il s'améliore pas. C'est sympa que ce soit là où on va, le ciel bleu, parce que quand je vois à gauche là, je me dis le déluge. À gauche c'est le déluge. Wow. Vraiment j'ai la grande flemme, hein. J'aurais pas dû utiliser mon joker, j'aurais dû bouffer l'araignée. Ah bah je t'avais dit, je t'avais prévenu. Oh bordel de merde. Génial, sur un malentendu, à tout moment je me noie. Hein. C'est officiellement la pire journée de ma vie. Là on est parti en éclaireur avec Flavien pour voir s'il y a trop de vent, si la mer est démontée. Mec, en plus c'est chronométré parce qu'on a un train à prendre ce soir. Si elle réussit cette épreuve, faut que j'emmène à Disneyland Paris dans la chambre de rêve. Et le train, il est à 20h. Donc là, il faut qu'on se trace. Mais j'ai pas envie. C'est à l'abri. Du coup, c'est un peu calme. Tu vas pouvoir le faire. C'est le un peu qui me plaît pas. Allez, équipement, babe, combi, cagoule et tout le tralala. D'ailleurs, je vous rappelle que l'Apple Vision Pro est à gagner sur nos comptes Instagram. C'est dit. Voilà. Voilà. On vous fait gagner un bijou technologique de 3 800 € qui n'est disponible que aux États-Unis. Et pour le gagner, ça se passe sur nos comptes Instagram. Allez nous suivre et allez regarder notre dernier post. Là, il y a deux scénarios. Scénario A, tout se passe bien. Elle a très peur, mais elle arrive à le faire. Elle surmonte sa peur de l'eau. Scénario B, crise de panique, abandon, panique dans l'eau. Je la secours, elle peut plus bouger, etc. Parce que je sais qu'elle m'a déjà fait une crise de panique quand elle était dans l'eau, une mer un peu agitée comme ça. D'où sa thalassophobie et sa peur des océans, des fonds marins. Il y a Flavien qui est avec moi en plongeur de sécurité. On va tout faire pour la rassurer. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Mama, tu me fais pas une crise de panique, bébé, hein? Bah on annule l'activité, hein. On a amené ce scooter sous-marin qui est un bijou de technologie qui va permettre à Mélanie de ne pas faire d'efforts en parcourant le tunnel sous-marin si jamais elle y parvient. C'est comme ça que tu arriveras à ne pas paniquer sur sous-marin. Comment déjà je vais pas paniquer, c'est si la mer s'arrête de bouger. En l'occurrence, c'est mal barré. Non, ça bouge déjà beaucoup plus que tout à l'heure. Je peux pas, Charles. Vraiment, ça me fait vraiment trop peur. Eh, je t'ai dit, la mer, elle a changé de sens un peu. La mer, elle a changé. Là, ça bouge quand même vachement plus que tout à l'heure. On va repérer pour Mel. C'est le climax de la vidéo. Il n'y a rien, il n'y a aucun élément qui veut qu'on fasse ce truc. Il n'y a rien qui va. Déjà, en conditions idéales, ça aurait été un challenge pour Mel. Mais là, c'est... Là, c'est les conditions de l'extrême. Hey, je t'aime. Fais gaffe, Charles. Vraiment, genre, la vie de ma mère, fais gaffe. Dites dans les commentaires s'il y en a qui sont aussi fous que ce mec. Oh bordel, non mais là c'est pire.
Là, c'est de pire en pire. Je vois encore ton cul. Bah moi, je le vois plus là. Hein. Je vois des filets de bulles. Ok, il est sorti. En fait, on dirait que c'est si simple, mais c'est si dur. Là, je me vois pas du tout me foutre à l'eau. Babe, avec la bouteille d'oxygène, c'est hyper facile. Non, mais je saute pas en fait, c'est ça le problème. C'est que même d'un mètre, je saute pas dans l'eau. Regardez comment c'est n'importe quoi là. T'en penses quoi? J'ai peur de faire une crise de panique dans l'eau, parce que déjà là, j'ai envie de pleurer. Ce que je peux te conseiller, c'est que, ok, le tunnel sous-marin, là, on grille un peu des étapes. Mais ce que tu peux essayer de faire pour ta dernière et ultime étape de ta peur de l'eau, c'est de te mettre à l'eau. Donc tu vas là-bas, on regarde le tunnel ensemble et après on revient et tu sors de l'eau. Déjà, si tu fais ça dans ces conditions aujourd'hui, pour moi, tu réussis l'étape ultime. C'est très beau. Et je te donne ce que tu mérites pour la fin de la vidéo. Tu veux tenter l'aventure? Juste histoire de préciser les choses sans te mettre la pression, on a le train dans une heure et demie. C'est maintenant, Mel, c'est maintenant qu'il va falloir te battre pour l'avoir, ta journée là. Génial. T'inquiète, c'est ton corps, il est plus fort que ça. Et encore avant, ton petit mètre. Bien, Mel. Allez, vas-y, là, t'as pied, là. Si, tu vas l'avoir, regarde, il va te remplacer ton pied. Là, c'est bon, là, t'as juste à te mettre en arrière. Si t'as pas envie de te mettre dans l'eau, tu remontes, d'accord? Je pense que t'as rien, là. Eh, t'es une championne. Eh oui. Il peut rien t'arriver. Regarde-moi dans les yeux. Mais c'est normal, c'est de la houle, c'est normal. Tout va bien. Tu peux regarder le fond, tu vas voir que tu vas avoir de la visibilité. Regarde, bébé, tu flottes de ouf. D'accord, tiens-toi à mon dos. Tiens, mais hop, je te laisse la place. Voilà, là c'est droite. Ouh, bravo. Bravo. Là tu vas prendre, appuie sur moi et tu vas remonter. Écoute-moi bien, c'était les pires conditions pour affronter sa thalassophobie. C'est fini. C'est fini là. Allez. On va aller chercher, on va te réchauffer. Allez, viens, go. Je suis fier de toi. Putain, je suis fier de toi. On dirait pas, mais vraiment aller à l'eau dans ces conditions là, après la journée qu'elle a passée, c'est vraiment incroyablement dur. Et la capuche. Bravo. Tous les jours, faites quelque chose qui vous fait peur. Bon là c'est là, dans l'extrême, dans extrêmes, mais elle en ressortira grandie demain, après-demain. Je retournerai pas dans cette eau. J'aurais aimé encore plus me dépasser, mais c'était au-dessus de mes forces. J'avais trop peur en fait, genre rien que d'aller à l'eau, déjà là comme ça, c'est ma hantise. Mais alors après j'avais peur de mettre la tête sous l'eau, j'essayais de calmer ma respiration, il y avait le tuba. Je respirais mal, je respirais fort et tout, j'étais vraiment pas bien. Là je suis contente que ce soit terminé. Bon sang. Let's go, par contre, il faut qu'on trace, on est en train de prendre. Allez, let's go. C'est chiant, vraiment, c'est chiant. Elle a découvert que c'est qu'on rentrait pas à la maison ce soir. J'en ai marre. T'as envie de pleurer? J'ai un coup de nerf. J'ai juste envie de rentrer, de prendre une douche, de dormir devant mon chat. Avec tout ce que tu as fait dans la journée, tu as gagné une nuit de folie, une nuit de princesse dans une des meilleures chambres de l'hôtel Disney. En fait, elle le sait pas. Demain, au petit réveil, on va faire des attractions extrêmes. C'est quelque chose dont elle a horreur. Mais c'est pas grave parce qu'il me restera encore quelques heures demain matin où je contrôlerai sa vie et où je devrai lui faire affronter sa peur la plus extrême. Oh là 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 là! C'est beau! Ah ouais! 3, 2, allez, go! Oh, je vais tellement bien dormir! Ça, c'est vraiment une chambre de princesse, tu vois? Ben oui. Ça, c'est une chambre à mon effet. Tu as deux doigts de voler les assiettes Disney. Mais arrête de vouloir tout voler, toi, mais c'est fou ça! Là y'a rien. Là y'a rien.
ses cheveux. T'es encore en train de voler des trucs. T'as envie de le voler. Oui. Les chaussons. Ah, ceux-là, c'est sûr, tu vas les voler. Oui. Devant 1 million de personnes, t'es fichée, babe. 1 700 euros la chambre. J'ai envie de te dire, si je veux repartir avec les chaussons, je repars avec les chaussons. Aujourd'hui, j'ai toujours monté. Sauf ma peur de dormir dans un énorme lit. Il reste encore quelques heures de moments où je peux contrôler ta vie. Là, c'est le petit repos, le petit répit que t'as mérité. Prends des forces. Et puis, on se retrouve demain. Bonne nuit. J'ai mal au bide. C'est quoi? Je préfère faire un tonneau. Ça me fait moins peur. J'ai la boule dans sa mère. Je pleure. Ça va bien se passer, babe. Salut. Ok, j'en ai bavé aujourd'hui, mais croyez-moi, je vais me venger. Il est clairement pas prêt. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que je peux faire à Charles. Et puis, on se retrouve quand je contrôlerai sa vie pendant 24 heures. Regarde la route!